Salut les mobeurs, on va voir dans ce tuto comment installer un régulateur de tension sur une moto bécane 51. Donc quel est le but et le principe de ce régulateur de tension? Sur votre bécane, vous avez le courant qui vous est fourni directement par l'allumage que vous avez ici. Donc c'est un volant magnétique, ça tourne devant des bobines. Quand on passe un aimant devant une bobine, on va créer du courant. Donc votre moteur, quand il tourne à une certaine vitesse, il produit du courant. Plus votre moteur va tourner, va aller vite, plus il va produire de courant. Seulement le souci, c'est qu'à partir d'une certaine vitesse, on va produire beaucoup trop de courant. Et là, vos ampoules vont être suralimentées et vont s'user beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'elles vont griller carrément. Des fois, on a des ampoules qui sont grillées tous les deux, voire trois jours. C'est votre régulateur de tension qui ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que lui va réguler la tension. Tout le courant va passer à l'intérieur et il va permettre de réguler la tension et d'avoir une tension constante au niveau de vos ampoules, évitant ainsi de les cramer. Alors, comment installer ce régulateur de tension? Ce régulateur de tension va s'installer entre la masse de votre bécane et le courant, donc le plus du courant qui va ramener du courant, donc le plus éclairage prévu à l'effet de l'éclairage. C'est-à-dire que le régulateur de tension en aucun cas va se brancher sur l'allumage, c'est uniquement pour sauver les ampoules. Alors il va se mettre uniquement sur l'éclairage. Donc tout d'abord on va venir l'installer et on va venir l'installer avec sa masse, voyez. Donc sachez-le, je le répète, les fils noirs sur moto bécane, sur la 51, le fil noir c'est le fil de masse. Tous les fils noirs iront se raccorder sur cet emplacement. Les fils jaunes sont les fils plus de l'éclairage, donc pour les ampoules. Donc tous les fils jaunes iront se raccorder au même endroit sur une connexion spéciale fil jaune. Donc pour l'installer, vous allez voir, il va venir s'installer ici dans le cadre. Donc je le prends, voyez, et je vais le faire glisser derrière. Parce que c'est pas franchement évident, il passe pas bien. Il faut le faire rentrer comme ceci. Voilà. Ensuite, il va falloir que je mette, donc ça je vais vous le montrer devant, que je mette la cosse. Donc la cosse, je vais la mettre ici, vous voyez, en appui. Et ensuite, je vais venir mettre ma vis que j'aurai nettoyée au préalable. Voilà, comme ceci. Et là, je vais venir le faire passer à travers le cadre. Bon, le souci, c'est que je suis obligé d'enlever la vis pour bien le faire passer. Voilà, encore un petit peu. D'une main, c'est pas évident. Donc voilà, là il vient de passer votre votre régulateur de tension a été installé sur votre cadre. Maintenant on va venir le visser pour bien le serrer. Donc vous pouvez mettre les vis de masse, enfin tout ce qui va être masse avant de visser, ou vous pouvez les mettre après, c'est exactement la même chose. Et là par contre, quand vous le serrez, allez-y à la clé, n'hésitez pas à le serrer assez fort quand même, il faut l'écraser. Plus le contact sera écrasé, plus le contact se fera. Donc voilà, au niveau du fil de masse, le régulateur de tension a été installé. Comme vous avez pu le voir, il y a un deuxième fil, c'est un fil jaune. Le fil jaune, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va venir directement du volant, ici, donc de l'allumage. Donc ceux-là, on les recule, ils ne servent à rien. Ceux-là aussi, et on va s'occuper. Je vais tout débrancher, ça sera plus simple. Voilà, il va venir du fil jaune de l'allumage. Vous voyez, seulement sur moto bécane, ils ont fait de telle manière à ce que ça ne rentre pas. Donc vous allez le mettre dans un fil jaune, qui va en fin de compte se répercuter ici directement sur un répartiteur de masse, comme on dit. Donc c'est un répartiteur là pour les fils jaunes. Donc vous voyez, tous les fils jaunes sont ici et ont été soudés. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, tous les fils jaunes sont ensemble. Donc ça, c'est si vous récupérez un faisceau d'origine, vous allez venir mettre un des fils jaunes qui descend. Vous allez voir, il y en a plusieurs. Bah, vous en prenez un et vous allez le mettre directement sur le fil jaune de votre régulateur de tension. Si vous n'en avez pas, pas de panique, vous allez faire votre répartiteur vous-même. C'est-à-dire que vous allez partir de votre allumage, ici. Vous allez prendre le fil jaune et vous allez venir directement le raccorder
à votre régulateur de tension. Vous voyez ? Mais la connexion, vous allez la laisser accessible. Pourquoi ? Parce que tous les fils jaunes que vous allez reprendre, il faudra impérativement venir les chercher dans la connexion qui se situera ici. Donc soit vous la faites ici, soit vous la faites comme Motobécane l'a faite ici. Vous voyez, où vous pouvez faire votre connexion dans le phare, mais ça fait loin, ça fait tirer beaucoup de fils. Donc vous la mettez où vous voulez, mais sachez-le, il vous faudra impérativement prendre les fils jaunes pour l'éclairage, pour l'ampoule de feu stop, ainsi de suite. Il faudra le prendre entre le régulateur de tension et la bobine d'allumage. Donc le fil jaune de la bobine d'allumage qui se trouvera ici. Là, dans le cas de figure où on est, on va venir donc raccorder un des fils jaunes au régulateur de tension. Et comme il faut le raccorder impérativement la bobine, on va prendre un deuxième fil jaune, vous voyez, et on va le mettre avec le fil jaune de la bobine d'allumage. Donc ça revient exactement à la même chose que vous tirez un câble jaune d'ici au régulateur de tension, que vous mettiez une connexion, ou que la connexion soit un tout petit peu plus loin pour revenir ici. De toute façon, le principe est de comprendre que tous les fils jaunes sont ensemble. Donc voilà, vous venez de brancher directement donc votre régulateur de tension. Je vais faire des tutos par la suite, donc je vais les faire un par un. À chaque fois, donc sachez-le, à chaque fois que je vais vous parler donc du fil noir, sachez-le, vous allez venir vous raccorder ici, hein, vous rajoutez une cosse et vous venez le positionner. Et à chaque fois que je vais vous parler du fil jaune, ça sera un fil jaune qui sera pris, donc si vous refaites le faisceau vous-même sur votre connexion, vous aurez fait entre le volant magnétique, donc entre l'allumage et le régulateur de tension, soit vous allez le prendre directement avec tous les fils jaunes que Motobécane vous aura mis à votre disposition. Et avant de finir, j'ai oublié de dire aussi qu'il faut absolument donc raccorder la vis qu'on a ici, donc la vis où on a mis la masse pour le régulateur de tension. Il va falloir la raccorder avec, vous voyez, donc ça c'est le fil qui va à l'allumage, donc au volant magnétique ici. Vous voyez, ça, le fil noir, ça sera la masse réelle, donc celle qui arrive des bobines. Donc celui-ci, c'est vraiment impératif, il va falloir le raccorder avec. Hein. Tant que ce fil noir n'est pas raccordé avec l'autre fil noir du régulateur de tension, votre régulateur de tension, c'est comme s'il n'était pas branché. Mais bon, en sachant que toutes les masses de toute façon vont arriver ici, vous n'aurez aucun souci. Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobeur.